Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver pour une best class setup avec une arme qui est totalement inutilisée par la communauté COD. Et c'est dommage parce que c'est une arme totalement sous-cotée. Je veux parler de la RAM 7. La RAM 7 qui est vraiment une arme incroyable, tout ce qui est corps à corps et mi-distance. On va dire que tout ce qui est long shot par contre, on va pas se le cacher, hein. On va vraiment pas se le cacher, tout ce qui est long shot, c'est un pistolet à billes. Ah mon gars, autant jouer avec un nerf, vraiment autant jouer avec un nerf, mais bon, je pense que t'as compris qu'est-ce qui se passe lorsque tu joues avec une arme, tout ce qui est corps à corps, mi-distance, autant jouer avec un sniper ou éventuellement une gros, mais comme je vous ai dit, tout ce qui est de la même catégorie, ça en vaut pas la peine. Mais avant d'attaquer complètement la classe, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On est là pour du gameplay, on est là pour de la news Call of Duty. Si t'es pas un tryhard, qu'est-ce que tu fais? Viens sur la chaîne, abonne-toi, tu seras bien accueilli, bien évidemment. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. D'ailleurs, je vais faire un défi, parce que vous êtes tellement nombreux à me demander de faire cela. Si la vidéo atteint les plus de 2000 likes en moins de 24 heures, pas cette vidéo, mais la prochaine, c'est-à-dire vraiment dans deux jours, je vous ferai une facecam. Voilà, comme ça vous pourrez voir ma tête, vous pourrez absolument tout voir. Je ferai donc les vidéos avec une facecam. Donc vous savez c'est quoi l'objectif, 2000 likes en moins de 24 heures et directement ça sera la facecam. Ensuite, niveau de la bouche, donc on va pouvoir attaquer directement. Silencieux monolithique, tu connais les bails, tu sais pourquoi, étant donné qu'on a besoin de porter de dégâts, surtout avec la RAM, c'est super important. Au niveau du canon, on va directement prendre le dernier, portée des dégâts, vitesse des balles, contrôle du recul. C'est clairement avec ça que vous allez voir une énorme différence. Au niveau des munitions, on prend 50 balles. Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Au niveau du laser, on va prendre le laser tactique. Très très utile, donc je vous en prie, jouez avec le laser tactique pour viser très rapidement au corps à corps. Et le dernier, poignet, poignet pointillé. Et zut, on va enfin y arriver. Enfin bref, par rapport à tout ça, voilà, ça c'est la classe. Si vous voulez changer certaines choses, vous pouvez éventuellement changer le laser pour la poignée avant de commando pour ce qui est du multi. Là, on parle, là c'était vraiment avec la poignée avant de commando, c'est vraiment le multi. Mais vraiment, en BR, le laser tactique est vraiment trop utile. Ça va vous permettre de gagner certains fights. Maintenant, on va vous laisser avec le gameplay qui a été réalisé sur Warzone. La game est totalement insane. Et si vous la regardez pas, vous allez rater vraiment un truc. Et ça en vaut clairement la peine de le regarder. Ok, c'est parti Superstore les bros, tu sais pourquoi on est ici. Et on voit qu'il y a déjà énormément de monde. Vas-y, fais vite. Allez, mets la pack. Ouais, on sait. Le shoot, LT. Ok, hop. Tu sais très bien pourquoi on est sur Superstore, frérot. C'est là où il y a le plus de monde, là où on peut réaliser un maximum de kills. Tu connais les bails. Oh, silence de mort. On prend direct, on claque. Parce qu'on sait qu'il y a du monde. On sait qu'il y a beaucoup de monde ici. Let's go, deuxième kill. Non. Non, ton brain ne marchera pas avec moi. C'était bien tenté. Franchement, c'était bien tenté. Mais c'était un peu trop obvious qu'il aille passer par là. On l'a vu. Non. Ok. Vas-y, ressort. Ok, on va juste se plaquer avant. Let's go! Ouh, 5 kills! Et ce fut hard, j'ai pas eu un moment pour moi. Mais vraiment pas un moment pour moi. Ok, on prend l'argent, tac, et on est à 16 000. Let's go les bros! On prend vite fait nos classes. Vas-y, hop. On prend un drone.
Allez, c'est le moment. Let's go. Et on n'a pas eu le temps, j'ai même pas eu le temps de faire mes introductions, etc. Parler de tout ce qu'il faut. Je me fais agresser. On m'agresse. On me laisse pas le temps de dire ce que j'ai envie de dire. Ok, donc il y a quelqu'un à notre hauteur. Ok, on l'a touché. Let's go! Voilà, c'est bon! On peut enfin respirer un peu en paix. On est à 7 kills et il reste 80 mecs. Du coup, j'ai enfin pouvoir revenir au sujet de la vidéo et tout ce qu'il faut. Je voulais savoir c'était quoi votre arme préférée, parce qu'on a tous des armes préférées différentes. Genre, par exemple, moi j'adore la M4, j'adore la RAM en multi. La RAM, c'est incroyable. D'ailleurs, même sur Warzone, hein, vous avez pu voir là que... Au corps à corps, ça laser, mais d'une violence incroyable. Et du coup, je voulais également avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à le dire, excusez-moi. Et moi, je vais le lire. Voilà. Un peu les aléas du direct, hein, quand t'as plus trop l'habitude de stream. Ok. Alors, où est-ce qu'on va? Il y a beaucoup de personnes au nord. Ouais, il y a pas mal de personnes au nord. Et les deux se cherchent. Largage tactique. Ok, ok. Il a une batteuse. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Je vous ai dit, hein, ça ne pardonne pas. C'est incroyable. Ça rigole vraiment zéro. Oula, non, mais est-ce que... Non, mais... Voilà, sa pièce de combat. Merci. C'est un peu compliqué de récupérer certaines pièces de stuff. Par contre, en termes de dégâts à longue portée, vaut mieux avoir un snipe. Est-ce que j'ai fini? Yes, let's go. Du coup, on a tout. On a notre sniper et en plus une rame. Que demander de plus? J'aime l'argent. Oui, la RAM, en fait, j'en avais pas fait encore en vidéo sur Warzone parce que j'attendais un petit moment de vraiment bien perfectionner ma classe et tout ce qu'il faut. Et je me suis dit, bon, allez, maintenant, ça va être le moment de sortir un peu la RAM, étant une arme que j'adore en multi. Faut savoir que je joue plus souvent à la RAM qu'à la M4 en multi, normalement. Là, je reprends goût, en fait, à jouer avec. Ok. On voit personne. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on voit vraiment personne, en fait. Peut-être se rapprocher de Bonneyard, hein, je sais pas. Ah, il y a quelqu'un sur Storage. Il se casse un peu là où je veux pas, en fait. Ah, il est en train de se casser là où je veux pas. Merde! Merde, j'ai oublié le capteur! À la boulette. Oh, je suis débile. Ok. Heureusement, dans mon malheur... Oula. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, capteur carte. On reprend, on reprend. On négocie pas, messieurs. Par contre, on a de nouveau 4000. Il y a de nouveau une voiture. Allez, on va de nouveau repartir à la chasse. La RAM, il lui faut forcément un sniper. Parce que sinon, ça risque d'être trop compliqué pour vous, on va dire, à une certaine distance. C'est pas comme l'aggro ou comme la M4 qui a quand même, on va dire, un sacré time to kill, même à partir de très loin, on va dire, à partir de 100-200 mètres, ça fait quand même des dégâts. La RAM, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est vraiment un pistolet à billes. Ok, donc il y a quelqu'un au sud et quelqu'un au nord. On va aller vers cette position-là. Ok. J'espère qu'il va pas se barrer là où je pense, parce que sinon, là, on risque de courir pour rien. Ah, il y a des bruits de silencieux. Ok, il y a un mec qui est mort. On va essayer de récupérer un peu son loot à l'autre. Oui, vas-y, prends. Il avait 10 000 en plus. Eh ben, il nous met bien, lui. Ok, drone. Hop. Qui d'autoréa? Tiens, au niveau du shop.
Et il y a quelqu'un encore ailleurs. Ok, mort. On a eu un déjà. Maintenant, on va chercher l'autre. Ah merde, il est en train de se casser. Il se casse là où je veux pas, en fait. Monsieur, vous allez devoir sortir, s'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort pour vous. L'autre, c'est Albus Dumbledore. Il veut pas bouger de sa tour. Je te jure, il bouge pas. À terre. Il s'est pris une méchante balle de snipe. Ah, va falloir que je réentraîne mon shoot. Pour pouvoir frag. Ok, on l'a vu. Vous pouvez voir, hein, c'est un véritable pistolet à billes, cette arme. Ok. On va quand même mettre une armure. Dans le doute. Armure brisée. Allez, reviens ici. Et let's go. Allez, c'est good. Oh, on a vu un. J'en ai vu un. À 2000%. Il faut vite que je me casse alors. Ok. Je disais bien en avoir vu un. J'en avais vu un, j'en avais vu un. C'était sûr à 2000%. C'était sûr. Touché. Elle est pas... Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai raté pas mal de balles de scope aussi. Ok. Prends un drone. On va voir à peu près où ils sont aussi, hein. Ok, non, pas ici. Non, non. Non, non, non. Ok, d'accord. Ok, préparez-vous au combat. Non, je ne me ferai pas goulaguette. Non, non, je refuse. C'est le moment. Let's go! La game n'est pas finie. La game n'est pas finie. Ok, il faut que je récupère maintenant mes classes. Comment on va faire? Grande question du jour. Normalement, il n'est pas censé avoir un largage de ravitaillement? J'ai dit normalement. Normalement, ils font un largage là, non? Mais bro, y a pas de largage? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et voilà, il me le sort 3 heures après. Ouais, bah on n'a pas le choix. On doit y aller, on doit y aller, ah, on doit y aller, on doit y aller, on doit y aller. Ça passe, ça passe, ça passe. Cours, Forest, cours! Oh, on l'a vu. Putain, c'est du génie. Non, j'ai pris le snipe. Ok, la holder. On n'a pas le choix. Vite, 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 vite. Au moins une plaque. Deux plaques. Allez, 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 allez. J'ai pas encore joué une seule fois avec cette arme, hein. Ok, il en reste 10. Au moins le 15 kills est assuré.
Ok, à terre. Dommage. J'ai pas beaucoup de balles en fait, hein. Je vais devoir faire. Ok. 15 kills. Il me faut des munes. Ah, la Holger, il semblerait qu'elle a été up, hein. C'est la première fois que je joue avec. J'ai zappé qu'elle a été up, cette arme. Fais attention. Il y en a qui est entré dans le bâtiment. Ok, let's go. 16 kills. On sait qu'il y a quelqu'un derrière. À 2000%. À 2000% sûr qu'il y a quelqu'un derrière. On sait que t'es là. Allez, sors. Peut-être qu'il a bougé. Ok, let's go. 17 kills. Elle est incroyable, cette arme. La Holger a bel et bien été up, hein. Et violemment, à ce que je vois. Ah mais ouais, c'est une dinguerie, hein. Vas-y, viens. Non! Mais non! Mais non! Je me suis fait tuer deux fois par le même type! Oh là là!